Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, nous saluons dans le nom puissant de Jésus. Que grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Amen. On nous dit merci Seigneur. Levez main et dit c'est grâce à vous Seigneur. Ramassez force ou dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Moi, c'est un distingué au nom de Jésus. Moi, c'est un homme de distinction au nom de Jésus. Moi, c'est une femme de distinction au nom de Jésus. Moi, c'est un homme d'honneur au nom de Jésus. Moi, c'est une femme d'honneur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite, mes bien-aimés, à l'ouvrir la Bible avec moi dans Galates chapitre 6, verset 17, qui dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Adorable Père Saint Jésus, Papa qui est dans le ciel là. Nous vous merci Père pour jour ça, un jour que vous fixez. Et vous faites nos grâces, nous capables de répondre présent pour nous chercher face et pour nous tendre voir. Parole c'est vie, parole c'est lumière, parole c'est lampe. Seigneur, bénis parole ça et permette à ce que chaque petit tout qu'il a joue une parole qui pour libérer, parole qui pour édifier, parole qui pour transformer. Et nous va glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes bien-aimés, encore une fois, nous saluons nous dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons, bon Dieu, merci pour nos nouveaux jours. Ça, son grâce que nous sommes capables. Ouais, quatrième joie. Et le Seigneur permet que tout sens soit fonctionnel. Il y a une raison pour nous dire, bon Dieu, merci. Et le Seigneur fait nous connaître, nous c'est des mondes de distinction et d'honneur. Et c'est thème ça que le porte pour nous, pour moi, distinction et d'honneur. Moi, son moi de distinction et d'honneur, côté Liban, nos paroles ça, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. La fois dernière, nous t'avons eu une marque de distinction, hein? Côté nous t'avons pris comme texte de support, Esther chapitre 6, les versets 6 à 9. Côté, à travers le texte, mes bien-aimés, ou a demandé qui ça m'a doché te recevoir comme marque de distinction. Quel marque de distinction et d'honneur m'a doché a-t-il reçu pour cela? Et notez, à partir de texte, ça, il y a deux points importants que nous signalé à vous, c'est marque de distinction et vêtement royal. Et nous te voyons marque de distinction à vous, nous te montrons que marque là, mes bien-aimés, c'est une signature. Et c'est lui-même qui permet de distinguer ou distinguer chaque produit. C'est-à-dire, et même genre, pour nous, bon Dieu voulait distinguer nous et il voulait honorer nous. Lorsque vous acceptez Jésus, eh bien, le Seigneur lui-même lui posait sol sur vous, lui marquait vous. Pour le faire connaître que monde ça c'est pour Christ, monde ça est pas nié. Et ça fait apôtre la douleur, les parler de nous porter sous corps nous les marques de Jésus. Des deux marques là son signature. Les c'est une marque déposée. Yo pas qu'à servir avec, pas gen l'autre monde qui ka prendre. Machine gen marque, téléphone gen marque, tout bagay gen marque, ordinateur gen marque, eh bien ou même tout comme chrétien ou gon marque, et ça fait ou pas cheap ou gen valeur. Ça fait le dou ou gen prix dans yeux et ou gen valeur pour lui. Alléluia. Parce qu'ou gon marque sou ou gon marque déposé ou pas n'importe monde. Ça fait apôtre la kakampe dit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ça fait ou pas qu'à parler n'importe qui gens ou pas qu'à agir n'importe qui gens ou pas qu'à fonctionner n'importe qui gens parce que ou porter marque là ou gon sosou ou distinguer et tout côté rivé faut faire la différence la paix bon Dieu avec vous.
Et je dis à frère monsieur, nous garder deuxième point important noté signalé avoir dans texte là, c'est vêtements. Après marque de distinction, eh bien on va joindre vêtements. Alléluia. Parce que noté de vêtements mes bien-aimés, Libanon sont éléments qui très important pour ce qui sont vêtements, vont vêtements dont tout connaît son tissu, son objet de tissu ou bien en fourrure de fibre synthétique qui couvre corps. N'importe gens lié à il couvre corps yo utiliser pour protéger ou pour parer ou hein et ou bien pour respecter convention yo convention sociale là il dit nous qui gens pour nous qui gens pour nous yé convention sociale là dit nous qui gens pour nous yé gain de cérémonie yo dou mais qui rad pour mettre mais qui tenue pour mettre mais qui vêtement pour gagner donc sous paraître ou pas respecter eh bien ou pas capable entrer. Yo pap admet ou nan espace là parce que yo di ki rad pou gagner. Donc nan passage de base là noté ou nan Esther 6 là verset 6 à 9 là nous voit que Amante fait sortir un élément important mes bien-aimés. Lorsque li t'a répondu à question wa, li t'a dit il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Et c'est sous ça mes bien-aimés, nous pral parler. Vêtement, ça il y aurait le vêtement royal. Il dit que nous connaissons ça, l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est vrai tout le monde considère que l'habit ne fait pas le moine. Mais qui ça habit a permet tout? Les permet yo reconnaître moine là. Et c'est rad là qui fait que kou yo paraît yo dit ça son moine. Et pas li fait moi non mais li permet yo reconnaître moi non la paix bon Dieu avec vous. Ça veut dire mes bien-aimés ça sou wa li refléter personnalité ou. Hallelujah. Ça sou wa li refléter soyé ou toutouni ou met ton tijip 3/8 sou ou tout afforde yo et ben li refléter soyé li refléter soyé depuis y a regardé ou y a dit c'est soyé. Ou pral discuter à moun di non yo juge ou non yo pas juge et pas jugement et pas jugement lié c'est ou di mais qui moun ouye à partir de tenue sou. Donc ça qui vrai à mes bien-aimés peut-être yo capable reconnaître et tout à partir de apparence li jan ou paraît là et comme ça apprend nous pas parler de hypocrite yo de moun k'ap chercher bay impression de ça yo payé y a des moun qui mette yon jan. C'est hypocrite qui a bay impression que yo son bagay yo pas ça. C'est usurpateur. Donc mes bien-aimés, même le loup a été capable de déguiser en agneau et bien wap konnen quand même un jour. Wap konnen quand même. Lò al en Afrique, ou est africain yo gagné yon identité. Yo pas habillé n'importe qui gens. Ou paraît ou dit ça son africain à partir de tenue li gon gens pour habiller mais nous-mêmes nous gen ça mais nous perdu parce que les nous vinn dehors et bien nous perdu habitude nous perdu coutume nous perdu identité nous ramasser toute qualité bagaille vinn fait que nous habiller nous n'importe qui gens nous habiller n'importe gens dans n'importe institution courrier et bien le nom l'armée pour paraît dans l'armée et pour paraît dans ou militaire tout monde identifié à partir de uniforme ni police là tout monde ouais c'est une police parce que li gon uniforme li gagné un rad qui sou li qui c'est une marque de distinction très important et ça fait depuis officier depuis police habillé c'est pas même moun nan li en civil yo wè lo gens. Une fois que le gagnant uniforme police là uniforme militaire sous lui et bien son l'autre monde il gon marque de distinction les différents mes bien-aimés donc marque de distinction est très important vêtement c'est une marque de distinction qui très important le parole l'a dit dans Somme 8 les versets 5 à 7 il dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Moi, même version Martin, qui dit dans verset 6 là,
tu l'as fait, Seigneur, des œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alléluia. Et l'envie, mes bien-aimés, mal faut coup d'œil dans Genèse, moi dans Genèse chapitre 3, le verset 7, il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, cette Genèse, ça, mes bien-aimés, l'y passait après que l'homme fin désobéi, après que l'homme désobéit, mon Dieu. Donc, yo connaît que yo tout uni. Et nous connaît qui ça qui t'est passé. À la création, l'homme t'est couvri à gloire, mon Dieu. C'est gloire, mon Dieu, qui t'est rade l'homme. Donc, le vêtement de l'homme, l'y t'est distingué, la gloire de Dieu t'est distingué l'homme de toute l'autre créature. C'est la gloire de Dieu qui t'est rade l'homme. C'est lui qui t'est couvri. Donc, il t'est couvri de nudité là. Et il t'est empêché. Yo connaît que yo tout ni. Mais bien aimé, ça, bah yo, c'est ça que t'es bah yo doit pour yo t'es rété en Éden. Parce que yo t'es couvri à gloire, mon Dieu. Et même, manger à fruit la vie, ya. Donc, bon Dieu, pas interdit à l'homme pour yo manger fruit de la vie, mais celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, une fois que l'homme désobéit, mes bien-aimés, eh bien, il retrouve yo tout ni. La paix, bon Dieu, avec yo. Donc, il a perdu, mes bien-aimés, rad qui te ba yo droit pour yo te rete dans la présence, mon Dieu. A Eden, est-ce que bon Dieu a là? Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Adam te chassé et il te interdit pour toucher kounye ya au fruit de la vie. C'est ça qu'il faut parler dans Genèse chapitre 3, verset 22 et 23. L'Éternel, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il le chassa. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Mais bien aimé, l'homme quittait Éden pour environnement, pour côté qu'on physique, il était sorti à la terre. L'esprit, mes bien aimés, pas sorti dans la terre. Alléluia. Mais bien aimé, l'homme perdu gloire. L'homme perdu gloire. L'esprit, mes bien-aimés, pas de sortir dans la terre, mais bon Dieu, il sortit dans bon Dieu. Donc, vêtement spirituel là, c'est ça qui baille à l'homme accès à jardin d'Éden. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, avant que chasser le jardin, hein, bon Dieu confectionnait vêtements que le gain besoin pour nouveau quoi? Nouveau domaine, nan, dis-je. Nouveau domaine, nan, les besoins qu'on a aux vêtements pour lui. Ça s'appelle d'où l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, alléluia, des habits fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. Mais bien aimé, l'homme te couronné à gloire, bon Dieu. Après une fois, ce qu'on a eu, vient retrouver avec rad. Ça aurait les habits de peau. L'homme perdu gloire. Donc, les vins qu'on y a là, tout uni. Les vins habillés avec peau bête. L'homme vini naturel. L'homme vient changer uniforme. L'homme vient changer uniforme. Les vins poté rad peau bête qui rabaisse l'homme dans le niveau animal là. Animal qui l'homme te gagne pouvoir sous lui, hein. Bon Dieu te baille l'homme pouvoir sous lui. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, les vins réduits dans le niveau ça. Je dis à l'homme perdu, l'homme peu bête. Gen même nan nous même là nous on tire avec nous peul même tire avec nous peul pour montrer à cause de péché a nous te rabaissé. Alléluia. Et ça fait d'où nan apôtre pral d'où nan 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 14 li pral d'où mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Donc l'homme animal là mes bien-aimés c'est lui-même je dis a qui besoin, les besoins, mes bien-aimés, by la ville à Jésus. Tout faux converti, tout chrétien charnel,
tout le monde qui vit selon la chair, eh bien, c'est au monde qui est habillé avec peau bête. En lieu et place de la gloire de Dieu. Ça fait, l'on régénéré tout bon voyage, ou né de nouveau, et bien, ou habillé à gloire, mon Dieu. Ça fait, je dis à mes bien-aimés, ou doit gain rad ça sous ou. Donc, vêtements sont marques de distinction que lié, soit physiquement ou bien spirituellement. Et ça, jusqu'à l'éternité. Ça fait, je dis à, sou pas habillé à Christ, ou pas gain Christ là, ou pas porter max ça, pour gain robe ça, pour gain vêtements royal ça sous ou, et bien, ou pas la donne. Parce que, ou pral besoin ça, si je dis à, ou pas prendre Jésus pour capable gagner rad ça en plus que ou a gagner mak là ou a marqué ou a gagner soa sou et ou pral gagner robe royale là que c'est seul Jésus-Christ qui pour baoul jodi a fokou gagner gloire ça qui couvre ou sinon c'est pour bête là qui sou ou vinn ou toujours yon homme Chanel ou toujours yon animal ou poko jamais qu'arriver dans gloire bon Dieu. Donc richesse mes bien-aimés jodi a connaît bien rad ça li là pour l'éternité. Et je dis à quitte sur le plan physique, quitte sur le plan spirituel, eh bien rad là mes bien-aimés sont marque de distinction que lié au besoin je dis à si je dis à nous dit ou pas cabal tout côté à tout rad. Eh bien c'est même gens pour servir bon Dieu ou besoin gain vêtement royal là qui c'est une marque de distinction. Et si je dis à pourquoi fait j'ai ça ou pourquoi l'ouvrir porte cœur pour capable gagner marque de distinction ça et pour capable gagner vêtement royal ça je dis à cette occasion pour l'ouvrir porte cœur pour dire Jésus mets-moi l'ouvrir porte cœur pour entrer et pour venir contrôler pour prendre contrôle la vie me remettre tout l'esprit dans mon corps et pour venir mettre le Seigneur et souffrir sincèrement le Seigneur a pas habillé et l'a distingué l'a fait de vous une femme de distinction un homme de distinction. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège et que bon Dieu passe avec vous. Amen.